Et bonjour à tous, on se retrouve sur Siberia. Donc dans le dernier épisode, on avait trouvé la poupée mammouth dans une grotte. Et dans cet épisode, on se retrouve au cimetière pour visiter un peu ce qu'il y a à regarder. Vu que le notaire nous avait dit qu'il y avait la tombe de Hans Vorarlberg, je voulais voir s'il y avait quelques indices à récupérer. Donc est-ce que c'est ouvert par ici? Inutile d'insister, c'est verrouillé. On va faire le tour un petit peu, voir ce qu'on peut récolter comme information. Ici, il n'y a rien apparemment. Je peux pas passer par ici. Donc ici, on peut pas rentrer. On va aller au fond d'abord. Une croix avec un petit automate. C'est censé représenter Jésus, je suppose. Une clé. Une carte perforée rouge. On va tous les faire. Il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien à récupérer dans ce tiroir. Donc il y a un tiroir qui dissimule une petite cachette. Carte perforée bleue, mauve et verte. Ce truc est coincé. Comment ça, ce truc est ce coincé? Truc est Ouh. coincé. Ah. À mon successeur, monsieur le curé de la paroisse de Valladolid. Le secret du confessionnal est un serment que nous ne devrions jamais rompre. C'est pourquoi la révélation que je fais aujourd'hui est l'aboutissement d'une difficile réflexion.
Un jour de mars 1938, Rudolf Vorarlberg est venu frapper à ma porte. À l'époque, j'étais un tout jeune curé, très impressionné par la forte personnalité de l'homme le plus important de notre petite ville, de Valladolid. Ce jour-là, je m'en souviens encore, il pleuvait. Sous ses cheveux trempés, son visage traduisait une souffrance infinie. Il m'annonça alors, les mâchoires serrées et les yeux noyés de douleur, que son fils Hans venait de mourir et qu'il voulait que je vienne immédiatement bénir son corps. Quand je pénétrais dans le sombre salon de la maison familiale, le cercueil du jeune Hans trônait au milieu de la pièce fermée. Monsieur Vorarlberg m'expliqua qu'il ne souhaitait pas que l'on voie le cadavre de son fils retrouvé déchiqueté au fond d'un précipice. Un faux pas, une mauvaise chute, probablement due au fait que malgré ses 18 ans, le fils Vorarlberg n'avait plus toute sa tête. Je l'ai cru, j'ai supervisé les funérailles célèbres, la messe, inhumé Hans Vorarlberg avec le respect qu'imposait cette tragédie. Ainsi va la vie et j'aurais sûrement oublié cet épisode si quelques années plus tard, bien après la mort de son père, Anna Vorarlberg eut un accident à l'usine qui faillit bien lui coûter la vie. Est-ce d'avoir approché de si près la mort ? Le fait est qu'elle souhaita que je l'entende en confession et elle m'avoua ce qui dorénavant allait hanter à jamais mes nuits. Le corps de son jeune père, Hans, ne reposait pas dans le caveau familial pour la simple et bonne raison qu'il était toujours vivant. J'avais béni et sanctifié un cercueil vide. J'avais participé et cautionné une mascarade organisée par la folie haineuse de Rudolf Vorarlberg. J'avais été honteusement abusée par un homme qui préféra croire et faire croire à l'amour de son fils plutôt que d'accepter son départ considéré à ses yeux comme une trahison. Quelle sorte donc de curé avais-je été et pouvais-je être désormais ? Notre Seigneur miséricordieux sera mon seul juge, mais afin que vous soyez un meilleur pasteur que je ne le fus, vous devez savoir que de nos ouailles manquent à l'appel. À vous maintenant de porter ce terrible secret, d'en disposer comme bon vous semble. Léon Bonnard, prêtre. Donc voilà, c'est bien ce que le notaire nous a dit, parce que Anna avait dit dans sa lettre comme quoi son père Rodolphe avait tout organisé et qu'il avait fait croire que Hans était mort alors que pas du tout. Et donc du coup apparemment le cercueil vide repose dans le caveau familial. Donc c'est ça qu'à mon avis on doit aller regarder. Mais il était fermé donc il faut bien trouver une solution. Donc je pense qu'on n'a plus rien à prendre ici. Hein. On va partir. On va faire le tour de la pièce quand même. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Semble pas fonctionner. D'accord, donc ça c'est les rouages qu'on a récupérés. Alors je me souviens pas beaucoup du dessin, mais ça va pas être trop compliqué, je pense. Le gros, on va le mettre ici. Enfin, le plus gros, le moyen. Moyen, très petit, petit. Le moyen, on va le mettre ici. Le petit engrenage là et le tout petit ici. Et on va voir si ça marche. Donc là on est dans le clocher. Il
Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Et là, on va y mettre les cartes magnétiques. Alors, je ne sais plus exactement à quel ouvrir le caveau. D'accord, donc ça c'est celle de Noé à mon avis. On aurait cru douce nuit. Il y a bleu. Ça, c'est les mariages. On va essayer la violette. Je n'ai plus besoin de ces cartes perforées. Les a jetées. Donc la clé qu'on a récupérée, à mon avis, c'est pour ouvrir le caveau. C'est bien fait quand même pour le système avec les automates. Alors, Anna Vorarlberg, Hans Vorarlberg, il est là. Du coup, au moins, on n'a pas peur de l'ouvrir. Hein. Un cylindre. Cylindre Baladigan. Alors, chute mortelle dans les Alpes. Une horrible tragédie a frappé hier la famille Vorarlberg avec la découverte par son père du corps de Hans Vorarlberg gisant au fond d'un précipice. Quelques rochers glissant dans la brume matinale furent probablement la cause de la chute mortelle du jeune homme, âgé à peine de 18 ans. C'est en tout cas la thèse avancée par sa famille puisqu'il n'y a aucun témoin. Rappelons que Hans fut déjà victime, voici il y a environ 8 ans, d'un grave accident de montagne dont il ne s'était jamais totalement remis. Il est de notoriété publique que depuis cet événement, celui qui reposait l'avenir des usines Vorarlberg ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales et vivait très replié sur lui-même. Toute notre rédaction se joint à l'immense peine de ses proches et présente ses sincères condoléances à Monsieur Vorarlberg et sa fille Anna, qui devient aujourd'hui. De fait, l'unique héritière qui devient aujourd'hui de fait l'unique héritière de la manufacture d'automates. Et oui, que de rebondissements. Alors, ça c'est fait.
Donc en tout cas, maintenant c'est sûr qu'il est pas mort, hein. Il est pas dans son cercueil. Anna ne disait pas des conneries, hein. Donc maintenant qu'on a fait le cimetière, on va retourner à l'usine. Il y a des endroits où on n'avait pas été. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire, l'aubergiste? C'est encore moi. Mademoiselle Beauclair. Avez-vous bien connu Anna Vorarlberg? Oui, comme ça. Enfin, pas vraiment. C'était une grande dame. Nous l'aimions beaucoup. Et paix à son âme. On m'a laissé entendre que Hans Vorarlberg vit toujours. Qu'en pensez-vous? Baliverne! Le jeune Vorarlberg est mort accidentellement l'année de ses 18 ans. Tout le village en fut bouleversé. Et j'entends encore ma mère me raconter cette sinistre tragédie. Allez donc jeter un coup d'œil au cimetière si vous ne me croyez pas. Mais on vient d'y aller justement, il n'y a personne dans le cercueil. Donc, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à nous dire de plus. Je vais aller visiter un peu Valadilène. À plus tard. Comme il vous plaira, madame. Donc on va se laisser là pour l'instant et dans le prochain épisode on ira faire un tour directement à la fabrique. Donc je vous dis bye bye.